Hop, désolée, j'ai eu un coup de téléphone, donc j'étais obligée de tout couper. C'est l'inconvénient de faire les lives sur le téléphone, c'est que ben, quand il y a un coup de téléphone, on est obligé de tout couper. Je peux pas juste couper le micro et... Donc sur coup, j'ai dû tout couper. On va essayer, oui. Hop. Pour une fois que le live fonctionnait, hein, on va... Hop, allez. Alors pourquoi ma tablette me dit pas que je suis en live? Faut attendre encore un peu. Est-ce que la Claude, on peut de nouveau ou pas? Non, on peut pas. Ok. Alors. Alors. Dan, mais qu'est-ce que. T'es où? On s'en fiche pas mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'offre tient toujours. Putain, Dan. Je suis sérieux. Oui, l'offre tient toujours, bien sûr. J'espère que je ne vais pas le regretter. Qu'est-ce que c'est que ce délire? L'offre de quoi? C'était quoi ça? Je sais pas, mais ça semblait franchement suspect. Ah oh, bah c'est clair. C'était quoi leur plan là? J'ai pas tout capté. Oui, on peut le dire. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons trouver de quoi il en retourne. Mais les galeries, je peux pas les faire, donc hop. Moi, sur coup, ça va être un tout petit live parce que vers moins 20, je vais couper pour aller chercher mon petit Zazouz à l'école. Je trouvais ça déjà bizarre que Tom ait disparu après l'apparition de ce cadavre. Attends, comment tu sais ça? Ce n'est pas moi qui t'ai parlé de ça, c'est l'un d'eux qui te l'a dit. Qui t'est allé espionner encore? Je ne compte pas jouer toutes mes cartes, même avec toi. Du moins, pas tout de suite. Attends. Ce n'est pas fini. Dan. Bonjour, je suis Monsieur Anderson. J'ai bien reçu ton petit message. Alors pourquoi tu m'écris, putain? Pardon pour le gros mot. Excusez-moi, j'étais en train de lire. Je voulais juste être sûre. Et je suis et je reste parano. Tu peux arrêter ça? Ok, redescends. Tu connais l'endroit et l'heure? Bien sûr. Du propre. 350. T'as tout compris. 300. Oublie. Trouduc. Pareillement. Quelle discussion. Au fait, Dan. Quoi? Désolée pour la petite. Moi aussi. Ça devient chelou, mais alors chelou, chelou, chelou. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi parlait-il là?
On dirait que Dan achète des trucs à cet inconnu. La drogue! La drogue! C'est de la drogue! Et il en demande 350. Je pense la même chose. Bien joué. Merci. Et je parie qu'il s'agit d'un truc illégal. Oh bah vu comment c'est fait en douce, oui. Dan a tout fait pour ne pas avoir à prononcer le nom de l'objet en question. Nous devons découvrir ce qu'il en est. Je crois que ça a vraiment quelque chose à voir avec Anna. Non, tu crois que ça a vraiment quelque chose à voir avec Anna? Je sais pas. Mais tant que nous ne pouvons pas éliminer cette possibilité avec certitude, il va falloir suivre cette piste. Cette piste. Laisse-moi réfléchir. Je vais te trouver le numéro de cet inconnu. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Je n'ai pas dit que j'avais tout le plan en tête. Ouais, tu débines un peu, hein? Tu pourrais peut-être l'amener à parler, lui dire que c'est un ami qui t'a donné son numéro. Soit il en ressort quelque chose, soit tu n'as qu'à dire que tu as composé un faux numéro. Ça te paraît plausible? Non, mais je vais improviser. Laisse-moi un peu de temps pour récupérer le numéro. Bien, j'ai réussi à reconstituer une partie de la photo. Ouais, ça ne nous aide pas vraiment. Nous devrions regarder ça de plus près. Je pense aussi. Très bien. La première question est, pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi avoir téléchargé cette ordonnance sur son cloud? Je ne comprends pas. Est-ce que tu as déjà téléchargé une ordonnance dans ton cloud? Je n'utilise pas de cloud. Moi non plus. Je pense que le plus important est pour l'instant d'examiner de plus près le médicament prescrit sur cette ordonnance. SSRI. Ça te parle? Jamais entendu parler. Nous devrions vérifier sur le net. Je vais le taquiner. Mon pari que je trouve avant toi. Tu sais au moins à qui tu t'adresses? Tu vas botter en touche. 5 crédits, tu relèves le défi. Je monte à 7. Ha ha, je note. Allez, c'est parti!
Je sais ce que c'est. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'irai un antidépresseur. C'est un anglais, donc en même temps, je peux pas savoir. C'est exact. Waouh, tu as gagné. Toutes mes félicitations. Je veux mes sous. J'étais honorée de me mesurer à toi. File la thune. Alors, attends. Et nous, il faut que nous parlions de la substance. Ok. Voici donc les crédits promis. Oh, merci. Et il faut que nous parlions de la substance active. Tu savais qu'elle en prenait? Non. Il y a un truc qui ne colle pas. Je te raconterai plus tard, d'accord? Tout va bien? Oui. Tout va bien. J'ai dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. On reparlera plus tard. J'ai quelques petits détails à éclaircir. Où dois-je aller? Que se passera-t-il si je ne sais plus quoi faire? Quand le sourire forcé s'évanouira parce qu'il n'y aura plus aucun sentiment à refouler. Tout est calme dans la forêt, mais ça ne m'a pas toujours, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Il m'avait mis en garde contre cette journée. C'est une journée terrible, mais personne ne m'avait dit qu'il y aurait beaucoup d'autres journées terribles avant celle-ci. Je sais que ça va passer comme à chaque fois, mais cette pensée ne m'aide en rien. Cette journée est vraiment terrible. Wow, à la limite des pensées suicidaires. Est-ce que là on peut faire du cloud ou pas? Non, on est toujours au même point dans le cloud. Ok. Je suis devant l'appartement d'Anna. Ne me dis pas que tu vas forcer la serrure. Franchement, c'est rien du tout. Je passais dans le coin par hasard. Ouais, je trouve que tu te promènes beaucoup pour que quelqu'un se promène par hasard. Et je pense que ça peut pas faire de mal de faire un petit tour. Je pense que c'est un risque juste d'empirer les choses, si tu veux mon avis. Alors sois prudente, c'est une mauvaise idée. Tu aimes bien de... Bon, je vais mettre... Alors sois prudente, on va la jouer cool. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Même si ça t'a pas... Alors, même si ça te passe complètement au-dessus, pour l'instant, l'idée ne me m'est pas venue par hasard. Avant de t'écrire, je me suis posé la question suivante. Est-ce que Anna ferait la même chose pour moi? Et la réponse est oui. Elle aurait d'ailleurs agi dès le premier jour. Je ne te ferai pas changer d'avis de toute façon, alors j'aimerais avoir une amie. Ouais, je vais mettre ça.
Et si ça peut te rassurer, je ne vais pas forcer la porte. Je sais où il y a les clés de secours. Attends. Je t'appelle. Deux avis valent mieux. D'accord. Il est sympa son appart. Ah oh bah ça grince pas du tout le bois. C'était quoi ça? Il y a quelqu'un à la porte. Oh non. Connexion lost. Épisode 3. Démarrer. Mais vous savez quoi? On fera l'épisode 3 ce tantôt. Là, je vais couper le live maintenant. Je vais essayer les trucs se télécharger. Et on fera l'épisode 3 ce tantôt. Je ne le commencerai pas sans vous, ça c'est sûr. Donc, on fera l'épisode 3 ce tantôt. À tout à l'heure. Bon appétit à tout le monde.